STDC du CGT. Ouais. Bienvenue au Conseil Galactique Temporel. J'ai trouvé un truc là. À la Ziva. Voilà, je te jure sur ma tête de mort vivant. Qu'est-ce qui m'a fait marrer dans la prise de sang? C'est ça. Hématologie. Alors. Le TCMH, ça veut dire. C'est Christophe Mentallo. Je sais pas, je vois pas d'ici, mais je crois que je dépasse un peu. Le CGMH, alors c'était. J'y vois rien. Conseil galactique, mouvement planétaire, mouvement humanitaire, parce que pour le H. Le VGM, alors c'était. Vie galactique mondiale. Oh putain, là, je fais péter le plafond. Oh Seigneur. Eh ben, je parlais à la bonne femme par texto, là. Joël Hughes. Ayou, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. À part les 42 ou les 40 jours de l'âme qui reste attachée au corps, tout ça. En fait, c'est 4-1. 4 points. Bon, je suis un modèle. Termine à raison qui n'a pas tort. 4-1. Mon grand-père était quand même le gardien du palais de justice de Meaux. L'époque des chevaux et tout. Oh là là. Bon voilà, je voulais dire ma connerie avec ma. Voilà, je te jure, ma tête de mort. De mort vivant. Voilà. Bon. C'est pas du tout discriminatoire de quoi que ce soit. Parce que moi j'avais une chanson dans ma tête, c'était. C'est le Ziba Galactique, au Ziba Ziba. Plein de danse, le Ziba Galactique. Mark Jacques, il avait bien en l'an 2017 sur Spatula 23. Les cyborgs à moitié cramés, tous les gagas de l'univers. C'est en l'an 2017, mais là on est dans Men in Black 18, pas pareil. Maintenant on se réveille là. C'est trop puissant l'accélération temporelle. C'est magnifique. Là, c'est l'ascension, hein, déjà. C'est avant la Pâque, alors. Je sais pas. Faut regarder. Bon. Envoyé spatial pour t'éternel. À vous, cognac, j'ai pas. Poète. Mais la prise de sang, elle est rigolote. À la vie galactique mondiale, au VGM, parce qu'au début, j'avais. Vagin god monstrueux, mais non, ça c'est la première idée qui vient, c'est pas la bonne. Enfin, ça dépend des fois. Enfin bref. Vie galactique mondiale, merde, j'ai fait péter le compteur. Prise de sang à tous les hommes politiques, là, savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur sang.